Amy, bonjour. Aujourd'hui, j'étais invité dans une émission. Non mais là, on peut pas. J'ai trouvé ça si drôle. Voilà. Oh putain. Non mais on va y aller, on va y aller. On va aller au bout. Ouais. Bah, là, on est sur une vignette. Regarde celle-là. Ah. Merci d'avoir accepté l'invitation pour cette vidéo débat. Une vidéo à chaque fois. Débat. C'est le principe de la menace. C'est une vidéo débat. Je demande à mes abonnés, à mes Yalabers, et donc ils me proposent des sujets de société, des questions auxquelles on va répondre et on va aussi les aider. Parce que tu sais que dans la vie, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Dont moi. C'est vrai. Quelle est la question que tu t'es posée aujourd'hui? Et tu t'es dit pourquoi? Je me suis demandé pourquoi on se torchait vers l'arrière. Ah, mais tu sais que c'est revenu et j'ai trouvé, la réponse. Dis-moi tout. Les bactéries. Pour ne pas les ramener vers l'avant. La merde reste chez elles. En tout cas, c'est plus sympa pour les gens qui n'ont pas de clitoris. Aiment les préliminaires. On entre dans le vif du sujet, Ellie. Est-ce que tu es prête? Bah oui. On commence tout de suite avec Boulinor. Non mais on se moque pas des pseudos de... À chaque fois tu dis un nom, je rigole, c'est à mais non mais Boulinor, c'est Boulinor quoi, c'est voilà. On dirait tu sais un truc que tu mets dans les casseroles pour faire la cuisine. Ah d'accord. T'oublies pas de mettre du Boulinor avant quand même. Ouais, que, on est d'accord ou pas? Bah oui, les pâtes écoles. Doit-on obliger les industries et les architectes à créer des coins de murs et des meubles arrondis afin de plus cogner les doigts de pied et ainsi éviter une des pires douleurs au monde? Gros gros sujet. La douleur du petit doigt de pied, on ne le dira pas assez. Une fois par semaine. T'es une cogneuse de nuit, une cogneuse de jour? Non, on veut savoir. Moi j'ai roté complètement. Là on est plus petite cave, pas de fenêtre. Moi plutôt la journée hein. Donc toi t'es une cogneuse de jour. De jour et surtout de matin. Pour aller de mon lit à mon canapé. Parce que je prends un petit déjeuner sur mon canapé. Parce qu'en fait j'ai pas de table dans la cuisine. Enfin bon, c'est une parenthèse. Intéressant. Mais la question étant, si cette table était ronde, est-ce qu'elle serait aussi belle? Alors à un moment tu vois, vous faire un choix entre la beauté et la praticité. Ah mais si elle était ronde, peut-être que ton petit doigt de pied il épouserait un petit peu. En même temps moi j'ai des ronde. Naki ball. Donc justement tant mieux. Donc je suis un peu ronde. Alors est-ce que t'as ce même réflexe? C'est que quand on se cogne, on personnalise tout de suite l'objet. C'est que t'as envie de le taper. Oui, envie de te venger. Oui. Mais oui, alors qu'en fait ça part en insulte. Ça reste un bout de bois. Mais on a tous le même réflexe, c'est de putain. Est-ce que t'as remarqué aussi que personne ne crie? C'est absolument la douleur. C'est là. Tu le contiens, c'est dedans, tu vois, c'est profond quoi. Tiens le pied souvent. Mmh. La position elle est la même pour tout le monde hein. Excuse-moi, des mots. Des mots. Que tu cognes. Est-ce que tu contiens? Est-ce que tu contiens? Contiens, tu tiens, et là. Et là tu t'assois dessus, c'est que tu te sers de que ton celui bourreau. Qui fait pas ça me jette la première pierre. En tout cas je pense qu'on a bien répondu à Boulinor. Oui. On continue avec Julia Luto. Les gens qui marmonnent des trucs sur toi et quand tu leur demandes de répéter, ils te disent non non rien, laisse tomber. Ça mériterait des claques, non. Ça mériterait même des revers de claques. Là, qu'est-ce qui est moche? T'as dit quoi? Rien, laisse tomber. Ah mais c'est horrible. C'est horrible. C'est même pas qu'est-ce qui est moche, des fois c'est genre de toute façon toi t'as jamais compris. Non, vas-y, laisse tomber. C'est un truc d'embrouille de couple, ça, souvent, je trouve. Ouais. Oh oui, là, t'as un truc, c'est pas des potes. Mais c'est vrai que ça peut être très chiant. Et faut pas leur donner, peut-être, ce bâton avec le qu'est-ce que t'as dit. Faut les laisser marmonner et leur dire. Mais faut capter. Il peut te dire quelque chose vraiment que t'as pas entendu et t'as envie de savoir. Ou alors, technique, l'autre il marmonne. Et tu dis, t'arrêtes de crier par contre. Parce que là, on entend trop. Tu vois, faut vraiment aller dans l'effet inverse. Tu peux arrêter de hurler, merci. Ah. Tu me casses la tête. C'est comme... Mais avec toi, on peut jamais parler en fait. Sika Bliat, comment tu le dirais toi? Sika Bliat. Pour moi c'est russe. Sika Bliat. Le PQ, fine épaisseur qui se déchire quand tu t'essuies le cul et se colle à la teub. Attends, non mais attends, c'est possible d'avoir ça? Mais attends, tu t'essuies le cul. Mais non. À quel moment, si tu te torches, ça te colle à la teub? Mais non, mais je pense que lui. Je pense que lui. Mais si, parce qu'il faut vraiment des fois. Mais j'en ai. Non, mais c'est en deux temps. Je pense que lui il dit, il y a le PQ. Ouais. Tout fin. Et alors, soit. Il érèche souvent un peu. Ah bah, et puis il n'essuie pas, il étale. Soit il se déchire quand tu t'essuies, ou alors la main dedans, quand tu t'essuies. Aïe 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 aïe. On va pas rentrer dans le scato, dans le vulgaire, ami. Pas notre genre. Non. C'est le papier où faut faire 15 000 enroulages autour pour avoir un papier digne de qualité, quoi. J'espère qu'on t'a répondu, du coup, Sikabliat. Notre X. Qui nous dit? Les personnes qui mettaient les classeurs entre vous pour que tu puisses pas copier en première. Ah, c'est ce que j'ai fait à Pierre dans la première vidéo qu'on a fait ensemble. Oh là là, le classeur non, de la honte. Bah parce que j'avais pas de classeur. Et j'avais pas de potes intelligents pour copier. Gros sujet, notre X. Alors ceux qui sont pour moi, le terme est lancé. Les enfants qui font ça, ce sont de futurs fascistes. Mais moi, de toute façon, je te jure, j'avais même pas de feuilles alors. Oula, mais en fait, t'étais élevé avec les loups. Non, mais j'allais pas. T'es une enfant de la forêt. J'étais pas mauvaise, mais j'avais jamais mis à faire. Du coup, moi, j'étais la meuf. Eh, t'as pas une feuille. Oh non, t'es pas celle-là. S'il vous plaît, qui ne peut double? Ah non, qui est un rapporteur? Tout le temps. Oh non. Tout le temps. Moi je préfère à la limite ton type de personne. Je préfère qu'il y ait une feuille double que. Mets la main comme ça. Je sens que lui il est au premier rang. Deux salles, deux ambiances quoi. Il a pas d'amis. Madame. Il va en cours de récré, il joue de la flûte. Ah oui, c'est. Il est terminé. Pour moi il est terminé. Thibaut Fournier. Pourquoi les coiffeurs font des jeux de mots avec leur nom sur les salons? Ça c'est
Attends, j'en cherche un là. Ah bah t'as le diminutif. Alors motif. Oh là 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 là, motif. Séductif. C'est pas français. On dit séduisant, oui, mais... on dit pas séductif. Écoute, vu le truc, à mon avis, c'est dans la race campagne. Et quoi d'autre? Oh, je suis pleine de jugement, putain. Mais oui. Faudra t'y faire. Oh non. Mais non. Mais merde, à la fin. On va terminer sur... On termine là-dessus. Sympa. Tu nous en as un bon. Crinière. Voilà pourquoi, effectivement, il faudra un arrêté. James Blonde. T'as dit quoi? J'ai bien entendu. Le truc s'appelle James Blonde. Qu'est-ce que je fasse? Bon, bah... La meilleure question, c'était ma préférée. Arte Nubis qui nous dit: s'il te plaît, dis-moi comment réagir face aux personnes qui mangent du popcorn ou bouche ouverte au cinéma. Alors. Non, 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 Amy. Oh, mais... Non. Non. Amy vient de niquer le mur d'en face. Peu importe le popcorn ou quoi, demande à toutes mes copines. C'est-à-dire qu'au début, je fais: peux fermer la bouche, s'il te plaît? Et puis, même la bouche fermée, j'entends le bruit. Et en fait, je suis hyper sensible à ça, faut dire. C'est un vrai problème si je suis très sensible. Les gens m'énervent vraiment. Et du coup, je finis vraiment, genre, dès qu'elle mange, je suis là. Wow. Tu sais, vraiment, genre. Regard laser, quoi. Le téléphone, l'autre sa tchatche, l'autre sa table, l'autre sa balance. Le bonbon ouvert qui fait. Oh non, ça reste. Et puis le. Oh là là, le fin de coca. Ouais, ouais. Dans les glaçons. Tu as trouvé des soutiens, Arte Nubis. Je pense qu'il faut faire des salles spécifiquement pour ces gens-là et des salles pour les gens normaux. Voilà, vraiment une séparation totale de la population. Parce que c'est vrai que c'est. Ça m'énerve que tu ramènes leur cuisine, je te jure, ça m'énerve. Mais tu vas à quel ciné, toi? Il y a des gens qui ramènent leur cuisine. Moi, j'allais à l'Aqua Boulevard tout le temps. Ah, donc t'as des mecs qui vont dans le ciné en slope de bain en train de manger des trucs qu'ils ont fait eux-mêmes chez eux. Ils font des toboggans quand ils arrivent. En fait, t'es au camping. Ils arrivent en toboggan dans la salle. Mais non, on va faire Titanic. Ludirania76. Ludira qui nous dit: doit-on éradiquer les gens qui, quand on ne connaît pas un truc, nous disent: me dis pas que tu connais pas. Genre, c'est des références culturelles. Là, mais c'est tellement ça. Si je réponds à côté, je vais me faire insulter par les boss, que je suis tout le temps la meuf qui fait: t'as vu ce film? Quoi, t'as pas vu ce film? Ah non, ah non, ah non, t'es pas elle, Amy. Il y a des films et tout, je suis là. Attends, me dis pas que t'as pas vu Interstellar. Ouais, mais là, c'est encore pire, c'est me dis pas que tu connais pas. Il va faire exprès de sortir une chanson, un truc latino, tu sais, genre le truc perdu que personne connaît. C'est connu qu'au Pérou, ce qui fait partie de la famille du chanteur. Et là, il te dit: non, mais attends, tu connais pas Bebito de Guasón? Ah, donc t'es pas puriste en fait. T'es pas puriste. Ah, d'accord. Et bah, je pense qu'effectivement, éradiquer ça va être difficile. Je pense que ça se reproduit énormément. Moi, j'éradique la personne. C'est. Tête qui tombe, samouraï. Voilà. Vas-y, je t'en prie, avec Léo de la Forêt. Peut-on tolérer l'existence du pédiluve? Oups, ça part sur du pédiluve. Qui est censé te désinfecter les pieds alors que c'est littéralement dégueulasse. On part sur des verrues. On fait tous pareil, c'est-à-dire qu'on met vraiment la pointe des pieds et tu fais deux pas au maximum. Oui, ah bah oui, le talon n'a jamais touché le pédiluve, normalement. Soit personne le met, et ça se trouve, le mec, il a des pieds crades, il va dans l'eau avec. Soit on le met tous et c'est quand même crade. C'est-à-dire que soit c'est un pédiluve personnel pour chacun. Oui, c'est ça. Parce que si tu demandes aux gens de se laver les pieds, bon voilà, là, tu rentres dans des trucs. Ça n'existe pas, quoi. Il y a des gens, ils prennent pas leur douche après la piscine. Donc le pédiluve, déjà comment est venue l'idée à un gars de dire: écoutez, j'ai inventé la piscine, mais j'ai mieux. On va mettre un petit bac d'eau devant, on balance de l'eau de Javel, on fait croire que c'est hygiénique et tout le monde est sépanard sale dedans. You got it, babe. Non, mais c'est surtout pourquoi ne pas laver tout le corps, pourquoi juste les pieds? Il y a tout le corps qui rentre dans l'eau de toute façon. C'est que le mec qui a des verrues sous les bras. On lui. La mycose vaginale, on s'en bat la race, quoi. Clairement, un pédiluve, on l'a jamais vu par là, quoi. C'est que pour vous, les meufs, en plus, c'est plus dangereux la piscine. Moi, j'ai eu les cheveux verts à cause de ces fucking piscines. On est en danger dans cette piscine. Si tu vas à quoi, boulevard aussi. Alors, Léa Boujna. Ouais. Léa Boujna qui nous dit: doit-on dire à une personne qu'elle pue de la gueule? On a tous été face à cette situation, on le sait, Amy. Ça. Quand tu fais: ah non, ouais, ah ouais. Tu t'éloignes, c'est genre, ouais. Tu fais comment pour dire à une personne? Mettons, ouais, le gars, il te fait. C'est dur, hein. Oh, Amy. Moi, je dis pas. Ouais, oh, Amy, papa. Ah, oh, je suis contente. Voilà. Ça fait combien de temps? Ça fait 5 mois, non? Il y en a qui puent la gueule dès le matin. Après le lavage de dents, je veux dire. Déjà, se sont-ils lavé les dents? Je pense qu'il faut être un peu frontal, mais honnête, mais pas méchant. Ça dépend du lien que t'as avec la personne quand même. T'as raison. Tu peux dire: waouh, frère, tu pues la gueule. Waouh, t'es un je peux te taper la gueule. Mais quelqu'un que tu connais pas trop, c'est compliqué. Tu vois, t'as plus des réflexes de survie. La mère d'un pote. Pire truc. On l'a tous eu. Ta belle-mère. La rencontre, la première fois, la rencontre avec ta belle-mère. Pire truc. Bah écoute, enchanté. Le regard, tu sais, mi-menaçant quand même. Vous avez pas fait ça? T'as l'œil qui tremble et tout, la joue qui saute et tout. D'accord. Oh putain, voilà. Non, bah j'ai rencontré votre fille en Milan. Excusez-moi, je parlais à votre mari qui... Oh, enculé, pareil. Voilà, bah, oh, enculé. Et la fille aussi. C'est le couple. Moi, je préconise une sincérité. Excuse-moi, du tact ou pas de tact? Là, il y a un cadavre de rat mort qui fumait des clopes et qui faisait caca en 5 ans. Irvine ou Irvin? Irvin. Je pense que c'est Irvine. Et d'ailleurs, je suis sûr que lui, tout au long de sa vie, c'était Irvine.
Les gens qui font le bruit de la bise une joue sur deux. Ah là là, ils sont chiants. Oh, j'ai du mal quand quelqu'un me fait la bise sans bruit. Non mais dis-le, si je te dégoûte à ce point... Si je suis lépreux. Si je ne mérite même pas... Mais pourquoi ils font ça, Amy? Donne-moi ton analyse. Mais donne-nous de l'affection, mais c'est parce que c'est des putains de flemmards. Je veux dire, c'est un peu bourgeois, mais même pas, parce que les bourgeois, même eux, même s'ils touchent pas la joue, par contre, ils font le bruit. Eux, c'est l'inverse. Salut Marie-Chantal. Oh bah ça, tu le prends dans tes voix. Oh, je suis contente de te voir. Et c'est le même qui fait de la gueule. Bah moi aussi, putain. Et c'est pour ça qu'il fait pas de bruit, parce que sinon il y a de l'air. En fait, c'est un gars sympa. Mais tu as résolu. Amy, Irvin, pardon. Irvin. Pardon. Pardon. Tu es un basketteur américain. Leïla Seguiri, doit-on bannir de la société les personnes qui mangent des céréales avec du jus de fruits? Oui. Oui. Voilà. Oui. Allez. Jus d'orange, Kellogg. Allez. Suivante. Oui, ça dégage. Ali Lol qui nous dit: je propose 3 ans de prison pour ces personnes qui respirent fort. Je n'en puis plus, je n'en puis plus. Je recontextualise, t'es dans le bus, t'es dans le 210. Ouais. Et là, t'as la personne d'un certain âge qui souffle des fois que du nez et qui sent mauvais l'haleine du nez. Je sais pas si tu connais cette personne. Elle sent le grenier, au bout d'un moment, tu finis toujours par sentir le grenier, attends. Donc 3 ans de prison. Oh, sursis. Allons sur un an. Sursis. Un an de ferme, quand même. Un an de ferme. Un an de ferme, 3 sursis. S'il pue de la gueule, par contre, il est froid. Voilà, si vous respirez encore fort durant les 3 ans. Doit-on pardonner les gens qui, avant d'aller aux toilettes, annoncent: je vais couler un bronze ou je vais changer l'eau des olives? Moi je dis je vais faire une conf call. Oh là là, mais pourquoi l'annoncer déjà? Comme on dit, même les cochons ils vont s'en dire. Mais parce que t'es avec tes potes, t'es là, je hop, tu vas pas dire je vais chier. Tu dis je pars en conf call. Tu fais cacou, c'est mignon cacou. On s'arrête 2 secondes sur je vais changer l'eau des olives. Attends, je l'ai pas. Je vais changer l'eau des olives quoi, ça veut dire je vais. Démouler un cake, couler un bronze, avoir le cigare en bord des lèvres, libérer le kraken. Libérer le kraken. Kirby, je te la laisse nous dire. Kirby, là c'est un gros. Là je vais m'énerver. Doit-on brûler vif les gens? Non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. C'était bien ou pas? Franchement, c'était super. C'était vrai. Doit-on brûler vif les gens qui ne terminent pas leur phrase? Voilà, vous avez compris. Oh là là, mais qui termine. Mais je ne supporte pas. Non, mais si tu veux, c'est un peu comme un. Parce qu'à un moment, bah voilà, pas de faire descendre. Quoi qu'il y a une fin de phrase là. Il y a une fin de phrase quand même. Non, mais c'est comme j'ai dit à Sophie, tu peux pas. Tu ne peux pas. Elle termine souvent, elle répète la dame. Parce qu'elle voit que t'es énervé dans l'œil. Tu ne peux pas. Quoi? Tu peux pas quoi? Terminez s'il vous plaît vos phrases. C'est une vraie pétition qu'on lance. Les gens ils terminent pas leurs phrases et après ils... J'allais la faire putain. Ah ouais, t'as envie. Quand ils te mettent dans leur jeu t'as envie. Bah oui. Bravo pour ton sujet. Kirby, un vrai sujet de débat. Là faut... Alors brûler vif c'est un petit peu fort. Sur cette chaîne on n'est pas pour la violence. On n'est pas sur pour la violence. Non mais cas extrême. Ouais, on est cas extrême. Très bien. Mais là j'irai sur juste une bonne tape sur la nuque à chaque fois qu'il y a la personne. Non, moi je veux qu'il marche sur des Lego pieds nus. Oh, putain, toi t'es cruel toi. Le Captain Lego, tu me le casses, tu marches dessus 5 minutes. Alors c'est la dernière, Amy, de Simon Legrand. Dans un repas de famille, sommes-nous obligés d'écouter la blague raciste de l'oncle un peu bourré ou alors effectuer une balayette laser? Ah bah la balayette laser. Très très bon débat. Donc toi c'est balayette laser immédiate. Franchement déjà, c'est d'avoir un oncle raciste, c'est compliqué. Plus vicieux, une fois qu'il a fini sa blague. Allez, c'est 3 grammes dans un café, bon. Juste de, tu sais, de pas rire. Ça marche pas. Tu sais qu'il va expliquer la blague. Tu le connais. Ouais, tu le connais, il explique la blague. D'ailleurs, il rigole lui-même à sa blague pendant 15 minutes. Ah, puis il rigole. Tu sais, tu présentes ton oncle à ton mec pour la première fois ou ta meuf. Là, tu peux placer le. Ouais. Mais oui. Pas gaffe, il est bourré. Tu vas voir, il est un peu spé. Quand tu prépares ton mec, elle rentre. Voilà, Amy. Amy, merci pour ces débats. Tu t'es donné à cœur. Mes abonnés vous avez donné des sujets mais magnifiques. On peut vous applaudir. Allez voir la chaîne d'Amy. On vous embrasse très très fort. On reviendra avec ce type. Salut les YouTubers. Avec ce type de vidéos, de débats, de sujets, de société. J'espère qu'on a fait avancer la société, Amy. Je pense clairement que le monde de demain ne sera plus le même après cette vidéo. Allez, ciao.